Du 1er au 3 avril, a un débarquement de 3000 militaires américains en Haïti. Du 1er au 3 avril, a un débarquement de 3000 militaires américains en Haïti. Son gros 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 ton bateau qui a venu, qui a bien la donne hélicoptère, qui a bien la donne toute machine armor, ouais, que y'a qu'on y'a. Ok? Et puis, mission 3000 soldats américains, ça y est, à partir du 1er au 3 avril, c'est d'abord sécuriser extérieur ambassade américaine, port avec aéroport, et puis déblayer tout axe routier, et puis finir que ce bandit pratiquement dans le pays. Sorti là? Sorti en derrière, mon frère. Ah, y'a une mission, ça tout? Yeah, mission qui là, 3000 nègres. T'es chargé. Ok? Finir que ce bandit pratiquement dans le pays. Donc là. Nous devons faire moi-même. Attendez. Non, de... Tout est fort. Non, mais 3000 nègres. L'ambassade là a besoin de 3000 nègres, mon frère. Ah. Américain, qui ça fait? Non, est-ce que l'ambassade là a besoin de 3000 nègres, mon frère? Américain, uh-huh. Et nous mettons gang yo. Ah, mais pas un problème, mon frère. Ah, vous pensez que vous finir avec gang? Attendez, ah. Elle est fou, Louko. Oh, attendez, nous, attendez, quoi, frère? Mais Mbadou, non, non. Attendez, toute politique que vous dites, vous écoutez, matin débat. Toute politique qu'a fait avec Haïti, vous dites, ce que ça lié, c'est sous question de sécurité. Ah. Ok? C'est sous question de sécurité. Et pas oublier, madame, monsieur, ce qui a passé en Haïti aujourd'hui, là, il y a une grosse répercussion sur l'élection de Joe Biden en novembre. De faux problèmes à Haïti à résoudre. Faut qu'il résoudre le problème à Haïti. À. Parce que ça a coûté l'élection, là, madame, monsieur, en novembre. Donc le débat actuellement sur Haïti, qui est sur qui ça le basé, il est basé sur l'insécurité. Donc 3000 soldats qui ont entré du 1er au 3 avril, ça a bien fait. Ambassade là, c'est 3000 moun pour sécuriser? Non. Il a fini là pour aéroport, pour port, également pour déblayer axe routier et puis attaquer bandits pratiquement dans le pays. Donc elle dit que ça seulement déjà, nous fait carrer dans la bataille, nous fait carrer, madame, monsieur, donc, dans la guerre là. Ok, c'est sauf qui peut. Allez, bon, il va y deuxième bar pour nous dans le dossier ça. Tout cap vin là. Dans trois options, yo. Si ce conseil là qui arrive, parce que si CARICOM arrive à imposer ce conseil là avec Ariel Henry et Gamma Lavalas, c'est moun sa yo y a bay sécurité. Et si c'est moi, j'ai le tout avec Guy Philippe qui passe, y a bay Guy Philippe avec moi, j'ai le sécurité. Et si c'est dans la cassation tout qui allait, y a bay moun qui passe dans la cassation, qui vient président, y a bay sécurité, madame, monsieur. Comme il a été le cas, ouais. En 2004. Comme il a été le cas, madame, monsieur, en 2004. Maintenant, Maurice Charles, m'entendez lié à la conférence de presse, lui évoquer l'article 1er dans la Constitution, d'accord, qui dit que, par l'air, il y a déplacé par l'air, si il y a un problème, mettez-le n'importe qui côté. Ok? Et que l'éclair sur question, par n'importe qui façon, il a installé le conseil par là lui-même. Maintenant, après tant de bonnes. Comme dis-nous, il y a un jour à demain, au plus tard, vendredi, pour faire ça l'affaire, parce que CARICOM est déjà en avance. Et là, Lavalas a vu toutes les 4. Ok? Contre Guy Philippe, contre Maurice Charles, pour ces démarches CARICOM qui finalisent. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être comme problème dans le pays? On dit que. Conseil a installé, arrêté sorti demain ou bien vendredi. Il a installé conseil présidentiel là. Il a choisi un premier ministre. Je doute fort que ce n'est pas Maryse Narcisse que la pied. Ok? Il a choisi un président qui vous préside le conseil là. Je doute fort que ce n'est pas Saint-Cyr que la pied. Et puis, ils entrent en fonction. Et puis, ils commencent à prendre des décisions pratiquement dans le pays. Troupes l'avenir du 1er au 3 avril. Soldats américains viennent dans le pays. Ils ont sécurisé, donc ils m'ont conseillé. Où est-ce que ça va passer là? D'ailleurs, le corps diplomatique sera présent. Ok? Yeah. Le corps diplomatique là à présent. Les responsables internationaux à présent. Donc, sécurité, il faut que vous garantissez. Faut garantir. Et ça qu'il faut, ouais, gagner. Des soldats américains qui déjà voyaient un contingent à
garder comment espace parler national là. Mm-hmm. Déjà, ouais, oui. déjà. OK? Maintenant qu'on y a, on dit qu'on y a conseil là installé. Yo sorti premier ministre, premier ministre Payo. Madame monsieur Leclerc, donc c'est la Valas qui a pour pouvoir. La Valas et Ariel. La Valas et le groupe Ariel. Mettez dans un panier. Dans un panier. OK. Ouais. Et la Valas qui prend pouvoir avec groupe Ariel là. Ouais. Comme si Aristide continue avec toute influence sur le pays. Hein? Mais Aristide tout gain influence dans le pays. Dans le pays. Non, dans le gouvernement Ariel là. Ou Gonzalo de gain comme ministre. OK. Mm-hmm. Gonzalo de gain comme ministre. Donc ça veut dire madame monsieur. Par une bataille là entre la Valas face à Guy Philippe et Moïse Jean-Charles, parce que ni Moïse Jean-Charles ni Guy Philippe c'est deux ennemis de la Valas. C'est deux ennemis de la Valas. Et ça fait me dire tout à l'heure, oui. Si Guy Philippe est à l'élection et que l'État ouais que conseil présidentiel lui monte, c'est conseil présidentiel carré comme dans qui monte, il n'y a aucun choix que agir avec un pile prudence. Correct. Parce que complet justement pour yo arrêter Maurice Jean-Charles, également Guy Philippe, ou bien éliminer yo. Pourquoi écoute? Ah. Parce que allez. L'équipe d'Ariel Henry, gardez mon frère, et l'équipe Lavalas, mm-hmm. sont salués, c'est pour ce cas-là. Correct. Le conseil là, c'est au gain. Correct. Yo gain même mis sous conseil là. Correct. D'ailleurs, correct. Les deux représentants. Et le représentant du secteur privé des affaires, mm-hmm. c'est Moun Ariel. Correct. Le représentant, accord 21 décembre, c'est Moun Ariel. Et la Valas. Et la Valas. Ils ont ancien président Assemblée nationale liée. Et c'est Gérald Gilles. Correct. Et puis l'autre Moun encore, Lessie Voltaire et mm-hmm. consorts, mm-hmm. Fritz Jean, tout le monde, c'est la Valas. La Valas. C'est-à-dire la Valas et l'équipe d'Ariel Henry. Correct. Ils ont même mis sous conseil. C'est-à-dire Ariel Henry n'a pas perdu le pouvoir. Ok, pas maintenant, tout que Ariel Henry a perdu le pouvoir. Non, il n'a pas perdu le pouvoir. Ligue doit pas prendre ministre encore. OK, mais il a gagné contrôle pouvoir pour le protéger Ariel. Yeah, pour protéger Ariel à travers le conseil présidentiel là madame monsieur. Donc ça c'est si conseil là arrivé installé, conseil CARICOM là. On dit cette deuxième option qu'on y a qui marche. Donc qui c'est option Guy Philippe Maurice Jean-Charles là. Qu'on pas joindre toute équipe là voilà ça qui va en face équipe ça. Correct. Même bientôt, si l'équipe conseil transition et conseil présidentiel là, uh-huh. c'est installé, uh-huh. on va joindre Guy Philippe et Moïse. En face conseil là. En face conseil là. Yeah. Ok, en bonne opposition. En bonne opposition. Préparer l'élection. Pour préparer l'élection. Ouais. Et là, Karibo, ça l'a joué à tout. Ah ouais. Donc c'est pour moi, c'est pour me dire, madame, monsieur, problème nous, pourquoi finir nous-mêmes là. Brigandaï, nous là, non, non, là, pourquoi finir. Elle dit, nous, fait carré. Fait carré. Brigandaï, oui. madame, monsieur. Hmm. Parce que bataille politique, ça n'a pas fini. Il n'est pas fini. Et pourquoi fini, madame, monsieur?